D'accord, bonjour à vous. Alors, je me présente, Maxime Noyon, et voici... Yasmine Sémé. Pardon. La présentation, c'est fait. Donc, on présente aujourd'hui, en sortie officielle, notre BD, donc Retour en Autunois, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui revient dans sa ville natale après en être parti, après avoir voyagé. Et du coup, il va avoir un nouveau regard, il va être amené à traverser un petit peu la ville et à la redécouvrir. Donc voilà pour le synopsis rapidement. Pour en savoir plus, il va falloir l'acheter. Et du coup, Yas, un petit mot. Oui, alors, je suis le dessinateur. C'est une histoire qui nous a pris près de 8 mois. Donc c'était une aventure très intéressante. Graphiquement, puisqu'il a fallu dessiner le patrimoine autunois pour revisiter en quelque sorte Autun, notre ville, la ville dans laquelle nous avons grandi. Donc il a fallu dans une première phase faire toute la partie graphique et ensuite la coloriser. Ici nous avons Myriam qui s'est occupée en partie de la colorisation. Une grande idée. Voilà, un petit mot. C'est vraiment une aventure à trois personnes différentes. Et c'est vrai qu'au niveau de la colorisation, on a tous mis un peu la main à la pâte et c'était une bonne expérience. En tout cas, nous sommes très très heureux puisqu'aujourd'hui nous avons eu un accueil formidable. Donc nous n'arrêtons pas de dédicacer, les retours sont très positifs. C'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être là à la fête du livre d'Autun. Merci à la fête du livre et à tous ces bénévoles.